Bonjour, je m'appelle Félistin. Là, c'est vraiment relou. Là, je vais me faire défoncer en philo, mais quelque chose de grand, quoi, de très grand. Ouais, moi, c'est pareil, j'ai rien compris avec Bagel. Hegel. Bah, tu vois, genre, il faut dès le titre. Vas-y, Ludo, la brief-nous vite fait, là, sur Bagel. Hegel, idéalisme allemand, milieu du 19e, c'est le principe de la phénoménologie. Vas-y, calme-toi, Ludo, ok? En gros, de sa théorie découle l'idée de conjecture et réfutation. Ouais, il a raison, calme-toi, Ludo, là. Bref, en gros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on progresse par ses erreurs, conjecture et réfutation. Bon, vu vos têtes de poisson rouge, je vais simplifier. Vous savez que vous allez avoir au mieux 2 ou 3 sur 20, ok? On n'a jamais eu plus, même en additionnant nos notes. Mm-hmm. Donc, réfutation, vous prenez acte que vous êtes nul et vous n'y allez pas. Vous avez grandi de vos erreurs, comprenez? Attends, t'es en train de dire que, en gros, selon ta gueule, là, on doit sécher les cours. Ouais. Et commencer à vous tourner vers des métiers qui vous correspondent mieux, hein, comme éboueur, gardien de prison ou pion. Cool. Moi, j'ai toujours rêvé de conduire un camion de poubelle. Moi, je ferais gardien de prison pour MILF. Comme ça, j'organiserais des combats dans leur cellule. Tu aimerais me croquer, hein, Babette? Ah oui, un peu, c'est vrai. Gourmande, faible, tu es faible, Babette. Vas-y, croque-moi, tu verras, c'est bon. L'eau ne m'incite pas. Ça va, Babette? Hé, tu fais quoi, là? J'étais là depuis quand, toi? Depuis que tu parles à une tarte au citron. J'apprends à maîtriser mes pulsions, mes envies. Je travaille sur mon mental, en fait. Ah ouais, si j'ai envie de rentrer dans mon maillot de bain cet été, bah, faut que j'apprenne à maîtriser. Ah, c'est ça que tu fais. Mm-hmm. Eh ben... Problème. Régler. Maintenant, avant de parler à une tranche de gigot, si t'as un autre problème dans le frigo, tu m'appelles. Ouais, bah évidemment, toi, c'est pas dans un maillot de bain qu'il faut que tu rentres, hein. C'est dans un drap housse, c'est plus facile, hein. J'ai compris comment ça marche avec les meufs, mon pote. Faut leur parler de manière directe, tu vois. Faut pas passer par quatre chemins, faut pas tergiverser comme les philosophes grecs. T'as vu où ils en sont, les Grecs, aujourd'hui? Regarde-moi bien, ça va aller très vite. J'ai halluciné, quoi, de ce qu'il m'a dit, tu vois. Salut, Jenna, ça va? Tu veux sortir avec moi? Je peux te prendre ce soir? Non. Et donc là, je lui dis, ok, bah, si tu fais ça, moi, je sors avec ton cousin. Ah, oh, c'est pas vrai. Mais moi, j'aurais cassé le nez direct, ça les calme. Voilà, voilà. C'est très impressionnant comme technique, mais il te manque un truc. Regarde. Salut, Elodie. Salut. Ça te dirait que je t'épile? La jambe, hein. La jambe. Ouais, ça marche moyen. Ah ouais. On va se cacher dans les toilettes jusqu'à la fin de la récré. Ouais.